On se retrouve pour un petit haul action. Ouais, vous vous en doutiez, je vous en ai parlé dans le haul de toute façon. Donc, c'est pas assez sans surprise. Je fais pas des grandes. Des grands mystères. Voilà. Allez, on se remet la pince. On s'installe bien dans le canapé. Et c'est parti pour le haul action. Alors, on va commencer par un truc ici. Ouais, je les avais vus. La dernière fois, je les avais vus dans le action et je ne les ai pas pris. Non, je me suis dit, oh, ça ne sert à rien, j'ai mes papiers à 4 et tout ça. Et en fait, c'est des blocs 30-30. En fait, c'est des blocs 30-30. Mais unis, vous voyez, c'est pas les blocs 30-30 fantasy où il y a les motifs, les fleurs, les machins, comme ils font d'habitude. Là, c'est du papier uni, un peu comme le papier qu'ils font chez Lidl. Là, vous savez, ils font des blocs souvent chez Lidl ou chez Aldi, des trucs, des blocs de papier. Et là, c'est du, c'est des grandes. Et surtout, il y avait du orange. Je me dis éventuellement si pour faire un truc d'Halloween ça peut être bien. Et après il y a toutes les couleurs comme ça, genre pour Pâques et tout, ça peut être sympa. Je sais pas s'il y a du rouge, s'il doit y avoir du rouge. Voilà, bah ça pour Noël, du rouge. Après il y a du basique au début, il y a du beige et du blanc. On dirait qu'il y en a plus. 30 pages. Alors, il y a du blanc, blanc, blanc et du blanc cassé. Hein. Bon, je ne sais pas vous les compter, mais là, il y en a combien? 1, 2, je ne vais pas vous les compter et puis je suis en train de les compter. Hein, bref. 1, 2, 3, 4, 5 blancs. 5 beiges. Voilà. Ah, le rose, il est mignon quand même. C'est un beau petit rose pâle. Très mignon. Et du coup, après, ceux en couleur, il y en a deux. C'est bien. C'est du... Et puis, le papier, il est un peu texturé. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est le fameux papier qui fait un peu des traits. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bref, au cas où, j'ai pris ce... Je me suis dit, bref, je crois que je vous l'ai dit. Je me suis dit, je vous l'ai dit. Je me suis dit, je vous l'ai dit. Le jour où j'en voudrais, eh ben, ils n'en feront pas. Donc, ils n'en feront plus. Donc, c'est pas mal. Puis, éventuellement, là, pour faire des boîtes ou des trucs comme ça, comme il y en a du blanc. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, alors là, vous allez être épatés, c'est un truc génial. Non, j'ai juste pris des recharges pour le rouleau des poils des chats. Voilà. Pour quand on met des pulls noirs, foncés, tout ça, bah, on voit bien les poils de chat dessus. Et Camille, tous les jours avant de partir, elle se passe le rouleau. Donc, j'ai pris des recharges. J'ai repris des petits gâteaux comme ça, éventuellement, pour emmener pour bébé bûcheron, voilà. Mais c'est pas, je crois pas que je vais lui emmener là. Et j'ai pris, alors, ceux-là aussi, c'est pas mal aussi, c'est des sortes de Pimps, mais il n'y a pas de confiture dedans, c'est que du chocolat. Vous savez, les Pimps, là, les trucs, alors, le Pimps de base, je crois que c'est à la confiture d'orange et au chocolat noir. Bon, ceux-là, ceux de base... Je les aime pas spécialement. Moi, j'aime mieux les autres, framboises, cerises, machin, enfin. Et là, Milka, ils ont fait une sorte de Pimps, mais chocolat. Voilà, je crois qu'on en a déjà acheté ça. Je suis pas sûre, mais bon, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? En fait, j'y allais pour un truc en particulier chez Action. Et effectivement, j'ai trouvé. Donc, quand je suis tombée dessus, j'ai fait « Ah, c'est ça que je veux !» La folasse. En plus, il y avait du monde, c'était samedi et tout, enfin bon. Je vais vous montrer le truc pour lequel j'y allais. Alors, c'est complètement inattendu. Je suis sûre que vous attendez pas à ça. Je suis sûre que vous attendez pas à ça. C'est une sorte hop, de mousse. Voilà. Une sorte de mousse. Mousse des bois, mais en plastique, quoi, vous voyez. Donc, il y en a une claire et une verte. Enfin, une blanche, beige. Beige, plutôt. Et j'ai une idée de petite créa. Et bah, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Et il me semblait en avoir vu chez eux.
C'est dans le rayon où il y a les trucs pour les fleurs, les choses comme ça, les fleurs en plastique. Il y a la petite corde, il y a les espèces de coquillages, les trucs. Enfin voilà, c'est dans ce rayon-là. Ça, je crois que c'était 80 centimes, quelque chose comme ça. Je ne me suis pas excitée, j'ai pris une boîte de chaque. Ça ira très bien pour ce que je veux faire. Je ne vais pas en acheter 10 boîtes. Franchement, ça sert à rien. Hein. Voilà, franchement, ça sert à rien. Ensuite. Alors, ça, je vais vous le montrer juste après. J'ai trouvé ça. Bon, je suis pas excessivement fan de tous ces trucs un peu bling-bling. Mais là, il y avait du rouge pour les crânes. Oh, je vais baisser la musique. Je crois que j'ai pas assez baissé. Du rouge, du vert. Donc, pour les crânes de Noël, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis deux rangées de vert aussi, comme ils ont mis deux rangées de rouge. Non, ils ont mis une seule rangée de vert. C'est pas très grave. Et celui-là, parce que les couleurs, je les aimais quand même assez bien. Un peu plus couleur naturelle. Enfin, tu parles de couleur naturelle avec des paillettes. Pas trop naturel avec les paillettes. Hein. Voilà, j'ai pris ça. Je ne vais pas m'en servir dans toutes mes créations. Hein. Déjà, tout ce qui est collage et tout, je ne suis pas sûre. Enfin, en même temps, peut-être, pourquoi pas. Peut-être dans mes collages de Noël ou des trucs comme ça, pourquoi pas? Pour mettre une petite touche de lumière, ça pourrait être sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un petit ruban marron, marron pailleté. Alors, les paillettes et l'automne, pour moi, ça ne matche pas ensemble. Ça ne matche pas du tout ensemble. Mais par contre, je pense que cette année, il y aura des créations de Noël un peu dans les tons marron. Donc, le ruban là, je ne sais pas si c'est de l'organza ou pas. Je pense, hein, c'est un petit un truc un peu organza. C'est une sorte d'organza. C'est légèrement transparent. Bon, niveau centimètres, je ne sais pas combien ça fait. Hein, ça fait ça à peu près. Hein. Il y en a 2,7 mètres. Et c'est tout ce qu'ils disent. Ils disent pas la largeur, mais. Et vous voyez, ça peut s'accorder avec ce genre de petites demi-perles. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ces petites maisons là. Je me dis, pour mettre dans le sapin, ça fait très naturel. Pourquoi pas? Voilà, pas pour faire des décos ou quoi que ce soit, c'est juste pour mettre dans mon sapin. Donc, pour une fois, je ne dis pas que je vais l'utiliser pour le scrap. Et dans les couleurs un peu marron, etc. Vous voyez, toujours pour aller avec, bah j'ai pris cet ensemble-là. Ça fait très naturel, mais en même temps, c'est assez fantaisie. Donc, il y a du. Ah, il y en a un autre derrière. Ah bah, attendez, on va ouvrir. Crois qu'il y en a un que j'ai pas vu. Crois qu'il y en a un qui est derrière l'emballage que j'ai pas bien vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est gratuit. Alors des fois c'est Nivi, là c'est Snowy. Ah c'est emballé en. Ah oui, c'est celui-là que j'avais pas vu sur le côté. Bon au moins comme ça les gens ils changent pas les couleurs parce que des fois dans les lots il y en a ils prennent tout ce qu'ils ont envie de prendre et ils laissent toute la merde entre guillemets. Alors ceux-là ils sont très sympas. Hein. Voilà donc pour faire des créas d'automne. C'est sympa et puis là des couleurs un peu douces, un peu naturelles. Vous voyez, c'est ce que j'aime en ce moment. Il y a plusieurs largeurs de ruban. Il y a 14 pièces de 1,50 m. Mais des fois, on dit, ah, il n'y en a pas beaucoup dans le rouleau. Ouais, d'accord. Il n'y en a pas beaucoup parce que si vous voulez faire une création, ça avec plein de ruban, avec la même couleur de ruban et tout ça. Mais si vous voulez faire des petites créas, bah des fois juste un petit bout de ruban, ça suffit. Donc 1,50 m, ça suffit largement. Et des fois, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Non, franchement, cette couleur. Alors, il y avait d'autres couleurs, je crois que c'était dans les tons bleus, je crois. Et une autre, je sais plus. Non, je sais plus. Bon, j'ai dit pas de tasse. Ouais, mais j'ai menti. J'ai menti. J'ai pris celle-là. Il y en avait avec des bonhommes de pain d'épices, avec autre chose. Enfin, oui, je crois avec la voiture, la fameuse voiture là que j'aime bien. Tu sais, tu sais, tu sais.
La petite voiture rouge, des souvent il y a un sapin à l'arrière, l'espèce de. J'allais dire bucket, c'est pas bucket. L'espèce de. Buggy. Non, c'est pas buggy. L'espèce de. Voyez ce que je veux dire là? Ça m'énerve, hein, franchement. Bucket, buggy. Là, la bagnole. Non, c'est pas ça. Merde. Oh, pardon. Oups. Mince crotte. Bon, bref, je sais plus. Là, à la break. Le. Bon, bref. Si vous savez, dites-le moi. Ça m'évitera. Enfin, d'ici là, j'aurais peut-être trouvé, mais bon. Voilà. Donc, c'est doré. Ça passe pas au micro-ondes, les trucs dorés en général. Hein. Je sais pas si c'est marqué là. Donc, il y en avait plusieurs, puis celle-là, je trouvais sympa, juste avec le petit branchage. Alors, j'en ai pris qu'une parce que c'était plus de 3 euros la tasse. À la limite, ça aurait été à 99 centimes, c'était bien, mais là, 3,49 € il me semble, là, je suis pas sûre. Donc, voilà. Donc, ça ne passe pas au micro-ondes ni au four, mais ça passe au lave-vaisselle. Voilà, pour info, si ça vous intéresse. Après. J'ai pris des machins comme ça. Je me dis éventuellement faire des couvertures d'albums ou je sais pas. Ou des emballages ou des petites pochettes ou je sais pas. Je vois les couleurs, bah, encore une fois, très naturelles, très, très douces. Vous voyez, ça va bien ensemble et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut faire. Et puis j'ai pris marron et blanc. Ça, blanc cassé un peu. C'est pas un blanc. Un blanc immaculé, c'est un blanc un peu cassé, voilà. Et j'avais pas bien fait gaffe. Il y en a un qui est un petit peu ondulé. J'avais vu un vert aussi comme ça, mais je l'ai pas pris. Je me suis dit ça. À la limite, je prends blanc et puis je mets des découvertes. Au moins le blanc, ça ira avec tout, plutôt que de prendre un. Il y avait d'autres couleurs aussi. Ça peut être un chemin de table. Alors peut-être que je m'en servirais. Ça fait 1,50 m. Peut-être que je m'en servirais. À Noël pour faire le chemin de table au milieu, ça peut être sympa aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs pour le scrap et après de me dire bah non, je vais m'en servir pour ma déco. Je vais l'ouvrir. Mon papier est tombé. Ouh, c'est fin, c'est super fin. Ouais, vous voyez ça en milieu de table, ça peut faire un joli chemin de table avec des décos dessus et tout. Des petits casse-noisettes, des petits branchages, des petites pommes de pin et tout, ça peut être sympa. Ça. De toute façon, c'est le genre de truc. Bah, j'en ai plein, enfin plein. On va pas exagérer, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais acheté un chemin de table aussi, bah, en toile de jute, ça, oui. Et un autre que j'aime beaucoup en organza avec des toutes petites pâquerettes dessus. Là je l'adore et c'est surtout pour mes créas de mes créas comment mes créas de printemps voilà ensuite qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris des décos il y en avait plein en fait hein. Il y en a deux que j'ai pris en double en fait et il y en avait un ou deux que j'ai pas pris parce que les trucs comme ça parce que j'aimais pas voilà, tout simplement j'aimais pas. Alors celui-là, c'est rose, mais on n'est pas obligé de l'utiliser pour Noël, quoi. Il y a le macaron, il y a tout ça. Bon, il y a marqué Christmas et tout. Donc c'est des petits stickers un peu puffy, comme ça, un peu en 3D. Et voilà. Ça, j'aime bien, vous savez, les pains d'épices, les petits bonhommes de pain d'épices, j'adore. C'est mignon. Alors celui-ci, il y a aussi des petits bonhommes de pain d'épices, aussi des gourmandises, des lollipops. Voilà, c'est ça la voiture, là. Là, je ne sais pas comment ça s'est. Je ne me rappelle plus, mais je le savais, ce nom. Hein? Et je sais que ça commence par un B. J'en suis sûre, ça se trouve pas du tout. Voilà, bon, bref. Voilà, ça, c'est très sympa. Le. C'est pas berline, c'est pas. Là, bah pareil, hein, il y a des trucs très mignons.
Des petits cadres, des petites voitures, ça reste dans les couleurs vert, vert bleu, oui, bien sûr. Vert, rouge, etc. Et marrant la petite, le petit manège là avec les petites biches. Enfin, c'est pas des biches, ça doit être les petits rennes comme les rennes du Père Noël. Celui-là, j'ai hésité, j'ai failli pas le prendre, mais quand on est dans le magasin, on se laisse tenter. Avec le recul, je suis pas sûre. Pas sûr, mais il y a des éléments sympas dedans. Les petites maisons en bas là sont très mignonnes. Les petites gourmandises. Il y a encore des petits bonhommes de pain d'épices. Il y a plein de gourmandises, du chocolat chaud et tout ça. C'est des couleurs un peu douces, pareil. Hein, autant vous dire que bah voilà, je vais vous la ressortir à chaque fois. Mais ça, ça et ça, et bah ça va bien. Tout ça, ça se marie bien ensemble. Et ça, et ça. Voilà, c'est plutôt les couleurs qui m'ont un peu inspiré quand j'étais bah, dans le magasin, du coup. Voilà, je suis à 2 à l'heure hein, aujourd'hui. Hein, voilà. Et ceux-là, alors celui-là est magnifique, très Noël classique, hein, vraiment classique. La petite déco en bois, elle est sympa. Je sais pas s'il y en a dans tous des décos en bois, vous voyez. Et celui-là, ça fait plus bah, du coup casse-noisette. Hein, il y a un casse-noisette, il y a la danseuse, il y a les musiciens et tout ça. C'est un conte de Noël, quoi. Bon, c'est mignon. C'est des couleurs douces. On peut s'en servir. Les petites souris, c'est mignon. Voilà. Ça peut être sympa. Puis à coller un petit peu aussi, peut-être sur les étiquettes cadeaux et tout. Et j'ai pris ceux-là en double, hein, voilà, les deux classiques, j'ai repris. Voilà, et ça c'est dans ce que je vous ai montré, il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Là, je vous les ai montrés tous un par un. Voilà, et j'ai pris ça en double. Oui, avec un coup dans la tête, c'est pas grave. Alors donc, je voulais voir s'il y avait des trucs en bois partout. Et là, il y a un espèce de timbre en haut. Là. En bois aussi ici, il y a même un flocon en bois. C'est marrant qu'ils aient mis des petits trucs en bois. Je me rappelle pas que les autres années ils aient mis un truc, des trucs en bois. Ah bah là il y a même ça en bois, ça aussi, oh, en bois. Il y a des bonhommes de pain d'épices un peu partout. Hein. Là il y en a un aussi. Là, bah ça c'est le même. Ça c'est le même. Voilà. Ensuite là. Il n'y en a pas de truc. Ah si, il y a le petit bonhomme de pain d'épices. Le nœud, il est un peu disproportionné quand même. Voilà, là, il n'y a que un truc hein, en bois. Voilà. Ensuite, le livre, il est très joli là. Le livre en bois. Là, ça aussi, c'est en bois. Il y en a une qui fait des bêtises derrière. Et vous regardez s'il y a des trucs dans mon sac. What's upon a time? Il est marqué sur la boule. Ah, ça me gratte. Ensuite, là en bois, qu'est-ce que nous avons? Là, par la pancarte en haut. Ah, oh, les petites lettres, là, sont mignonnes. Petites lettres envoyées au Père Noël. Et là, avec les bonhommes de pain d'épices, il y a le petit bonhomme de pain d'épices et le sweet wish. Ça veut dire quoi? Sweet, c'est doux. Switchy, c'est vœu. Doux vœu. Et le petit bonhomme de pain d'épices, est-ce qu'il irait avec elle? Ah non, elle fait. Ah non, elle est trop grande pour lui. Non, ça peut pas faire. Je me suis dit, il y a la petite bonne femme de pain d'épices, le petit bonhomme de pain d'épices, mais bon, ça va pas trop ensemble. Voilà. Ma mère, elle est couchée là. Collée à moi. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, ça va. On a sorti en blanc toutes les deux. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je me suis fait plaisir. J'ai pas abusé. Il y avait encore, si vous cherchez les blocs 30-30 de Noël, il y en avait encore. Voilà, il y avait les blocs 15-30 aussi. Mais j'ai pas pris parce que je les trouve pas spécialement jolis. Enfin, il y en avait un qui était un petit peu dans les tons marron, qui était pas trop mal. Mais je me suis dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine de prendre. Ça. Vraiment, il y avait d'autres couleurs, mais j'ai vraiment pris vraiment ça pour Noël, pour mettre des petites touches de couleur, et ça parce que c'était dans les tons, comme je vous dis, dans les tons que je suis en ce moment, tons un peu naturels. Voilà.
Et puis voilà, de base, en fait, j'y allais que pour ça. Mais bon, je suis pas idiote, hein. Je savais très bien en y allant que j'allais pas prendre que ça. C'est tout. J'espère que vous, vous trouvez votre bonheur. J'espère que vous avez des actions près de chez vous et que vous trouvez ce que vous recherchez. Après, il n'y a pas que action, hein, voilà. On peut trouver des trucs sympas ailleurs aussi. Mais c'est vrai que les prix, j'ai l'impression qu'ils montent un petit peu, mais bon, c'est normal, hein, tout augmente. Voilà, c'est une fatalité, voilà, on fait avec. Hein. Si on n'est pas d'accord, on n'achète pas, et puis c'est tout, hein, on ne se plaint pas, et puis c'est tout, hein, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis je vous dis les blocs couleur 30-30, là, au cas où. Ouais, le cas où revient de temps en temps. Pas tout le temps, mais il revient de temps en temps. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis eh ben, à plus. Il est quelle heure? Midi. Je vais faire ma petite ACC pour ce soir. Et puis voilà, tout va bien. On est dimanche là.